Bonjour, je m'appelle le docteur Laurence Burie et en fait je voulais partager avec vous par cette vidéo un truc et astuce qui est venu tout à fait fortuitement il y a très peu de temps. En fait j'avais une de mes patientes qui devait signer des livres qu'elle avait écrits à l'étranger et elle voulait absolument éclaircir ses dents. C'était un vendredi et bien sûr je n'aurais jamais eu le temps d'envoyer à mon prothésiste pour couler le plâtre pour pouvoir réaliser les gouttières. Et tout d'un coup j'ai eu l'idée de détourner un produit qui est le Dye Match et le Blue Mousse de chez Parkel qui permettent de faire des dyes de façon très rapide afin de pouvoir lui réaliser les gouttières directement au fauteuil. Souvent, quand on se rend compte que chez nos patients, quand ils parlent d'éclaircissement et qu'on leur dit qu'il faut qu'ils reviennent pour qu'on fasse les empreintes, qu'on leur donne le coup, très souvent, en fait, ils ne reviennent pas et ils ne font pas l'éclaircissement. Par contre, avec cette méthode, ça permet de leur dire, si vous voulez, vous attendez pendant 20 minutes dans la salle d'attente et vous pouvez repartir avec vos gouttières et commencer votre traitement ce soir. Et très souvent, en fait, du fait de ne pas avoir trop à réfléchir, ça donne une impulsion et les patients réalisent leur éclaircissement. Donc, si vous voulez bien, je vais vous montrer les différentes étapes avec tous les avantages de ce produit. Et puis, allons-y. Donc là, on prépare une empreinte à l'alginate. Et c'est très important que l'empreinte soit à l'alginate et pas dans un autre matériau d'empreinte. Parce que si c'est du silicone, silicone sur silicone, ça va attacher. Et du coup, on ne va pas du tout avoir ce qu'on veut faire. On va réaliser tout simplement le modèle positif suite à mon empreinte. Donc la première chose à faire, c'est d'abord extruder un petit peu du matériau. Ensuite, on positionne notre embout, on réextrude un peu du matériau et voilà, tout est bon. Moi j'ai pris l'habitude pour que ça aille bien de prendre un petit embout, de le couper et ensuite il n'y a plus qu'à injecter. Comme vous pouvez voir, le produit il a la texture et la viscosité idéale pour pouvoir bien rentrer partout. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre le Blue Mousse, j'extrude un petit peu du produit et en fait il va me servir juste à confectionner la base. Voilà et voilà, on met bien. Voilà, on essaye que ça soit bien lisse, pour que quand on va le positionner, voilà. Donc là maintenant, le produit il est bien dur, je n'ai plus qu'à tirer pour le démouler. Et en fait, vous pouvez voir avec quelle précision j'ai les détails. Ensuite, je peux tout simplement prendre un petit cutter ou un scalpel. Et puis, retirer les excès pour que tout soit bien net. Voyez, ça se découpe vraiment très très facilement. Voilà. Voilà. Et là, je regarde. Voilà, par exemple, ici, on pourrait considérer que j'ai une toute petite bulle. Avec le petit cutter, j'ai juste à faire ça et à l'éliminer. Donc vous voyez, imaginez que j'ai eu une petite bulle ou une petite excroissance, là aussi un tout petit peu. Et ben voilà, j'ai juste très facilement la possibilité de l'enlever. Et voilà, c'est prêt pour aller maintenant réaliser notre gouttière d'éclaircissement. Et notre dye, enfin notre moulage préparé et prêt à recevoir la gouttière d'éclaircissement. On est sur notre machine, notre thermoformeuse, ça va chauffer, on l'a bien centré et donc on attend comme d'habitude que notre plaque de plastique ramollisse avant de réaliser notre gouttière et de le faire descendre. La gouttière est réalisée, on a aspiré de manière à la réaliser aussi. Et puis, tout simplement, on va la laisser refroidir
avant de tout sortir. Voilà. Voilà, ça y est, donc ça refroidit. Donc on va déjà découper les excès. Et ensuite, je vais vous montrer avec quelle facilité on peut démouler notre gouttière. Et comme vous avez vu, ça m'a pas pris plus que 10 minutes pour réaliser tout ça. Et ensuite, comme d'habitude, on n'a plus qu'à finaliser . Alors je fais pas de réservoir sur le moulage parce que en fait c'était du temps où les matériaux étaient beaucoup plus visqueux et en fait toutes les études qui montrent que il n'y a pas de différence de résultat, sauf que vous utilisez beaucoup plus de produits quand vous faites un réservoir. Donc en fait je ne fais pas du tout de réservoir sur la surface des dents avant de réaliser ma gouttière. Voilà. On peut encore améliorer ça. Gouttière terminée et réalisée. On la met en place. Et voilà, c'est fini. Et ben voilà, donc on a réalisé deux gouttières. Donc là, je vous en ai présenté qu'une seule. En très peu de temps, le patient, il est ravi, et nous aussi. Et en fait, ensuite, il peut garder son moulage, qui est au moins aussi solide, si ce n'est plus que du plâtre. C'est pas aller chez le prothésiste. Et donc, et ben, j'espère que mon astuce vous aura servi, que vous serez content de découvrir que c'est quelque chose que l'on peut faire. Et puis, à une prochaine fois pour d'autres astuces. À bientôt. Au revoir.